va, Angela, c'est du salami, pas un collier de perles. Voilà, Madame Fiorella, passez un bon Noël. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Votre commande. 1 kilo de salami. Oh, tout ça pour 1 kilo de salami. Je vais l'emballer, oncle Donnie. Hé, hey, papier normal et un bout de scotch. Bon, tant pis. On n'a pas de temps à perdre. À qui le tour? Bonjour. Bonjour. Monsieur, vous désirez? Ce que je désire. Savoir votre nom, d'abord. C'est Angela. Salut, Angela. Salut. Max. Max, vous voulez quoi, Max? Je voudrais commander vos célébrissimes lasagnes. C'est une recette de sa mère. Ah, c'est vrai? Oui, ce sont tous d'incroyables cuisiniers dans cette famille. Vous mangerez comme un roi si vous faites ce qu'il faut. Claire. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Passez votre commande à la personne à la caisse. Et joyeux Noël. Mais... Au suivant. T'es pire que ma mère. Pourquoi? C'est du joli gibier, regarde-le. Tu sais quoi? Mes parents louent déjà leur appartement qu'à des célibataires pour me caser. Et alors, c'est pour t'aider qu'ils le font. Je trouverai un petit copain toute seule, merci. Ah ouais? Eh ben moi, je vais faire pareil alors. Hé, hey, Max, je prends votre commande. S'il vous plaît, c'est à qui? C'est pas tous les hommes qui arrivent à te faire craquer. Évidemment, pas tous les hommes. Un seul, ça suffit largement. Sois réaliste, tu trouveras pas l'homme de tes rêves par ici. Je vais déménager dans ce cas. Ouais, et moi, je vais devenir Miss Amérique. J'attends peut-être plus de la vie que toi. Comme de la neige pour Noël, par exemple. Oh, faut pas rêver. Oh, Claire, j'ai toujours dans ma tête l'image d'un Noël parfait. Et c'est comme ça, c'est tout. Et là, ça n'a rien à voir. Carrément rien du tout. Un mec parfait, et puis un Noël parfait, et puis quoi encore? J'ai pas l'intention de couper des tranches de salami toute ma vie, tu sais. Oh, faut surtout pas que tu dises ça à ta mère! C'est son magasin, pas le mien! Parfois, je me dis que je suis pas née dans la bonne famille. T'exagères, t'as de la chance d'avoir tout ce que t'as. J'y suis pour rien. Qu'est-ce que tu ferais d'autre? Je sais pas. Mais ce sera un chouette boulot. Un boulot que j'aimerais. On en reparlera à ce moment-là. À demain, Claire. À demain. Excusez-moi, je cherche Angela Moreno. Eh bien, vous avez de la chance, vous l'avez trouvée. Merci, passez un bon Noël. Bon Noël à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous savez comment marche ce truc-là? Oui, c'est... Enfin, c'est parce que... Et quand ils l'ont installé, le type qui a fait les branchements s'est servi d'un... pied de biche et a enfoncé le machin et... Oui, je vois. Il ne marche pas, alors. Si, mais on peut pas l'appeler du rez-de-chaussée. Suivez-moi, je vais vous montrer. Elle sent bon, cette pizza? Oui, je sais, ça me rend dingue. Je meurs de faim. Vous devriez pourtant en être dégoûté. Hein? Oui, à force d'en livrer tous les jours. On y est. Merci. Quel étage? 3e. Moi aussi. On aurait pu prendre les escaliers. Je m'appelle Eddie. Angela. Ah, on est arrivé. Fin du voyage. Et voilà. Au revoir, Eddie. En fait, je vais aussi par là. Oh. Je sais que ça me regarde pas, mais où est-ce que vous livrez cette pizza? Au 304. Oh, je le savais. Un célibataire, je parie. Ouais, ça c'est clair. Et un mari potentiel? Oui, certainement. Enfin, je suppose que oui. Oh, il faut que ça cesse, j'en ai marre, ils vont me rendre dingue. Vous vivez pas avec votre famille, j'espère? Ce serait pas possible. Pourquoi? Parce que le 304 est un studio. Donc, je suppose... que cette pizza est... Pour moi. Et vous êtes... Livreur? Non. Ravi de vous connaître. Bonsoir. Si vous avez faim, vous savez où trouver une pizza. Il faut que j'y aille, bonsoir. Bonsoir. Thank you.
Salut Angie. Vas-y, te gêne pas. Ouais, la télé marche pas dans l'autre pièce. Je te signale que l'autre pièce dont tu parles, c'est ton appartement. Et si elle marche pas, c'est parce que t'as pas réglé ton abonnement. Ouais. Attention, chaud devant. On a besoin de ta cuisine. Quoi? Non, je viens juste d'arriver. Oui, et heureusement que tu es arrivé. Cette fumée, il y en avait tant qu'on ne pouvait même plus respirer en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore laissé cramer les lasagnes. Aïe, 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 c'est ton cher père, Dieu le bénisse. Bon, je sais qu'il l'a fait pour qu'on gagne un petit peu de temps, mais... 60 minutes à 180, c'est pas 35 minutes à 250. Ouais, et on a de la chance que les pompiers aient pas encore débarqué. Peut-être que vous pourriez demander avant de venir. Et si j'avais eu un plan ce soir? Angie, depuis quand t'as des plans? Excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais mes lasagnes de Noël. On a plus de 60 commandes. Et on va être obligé de faire tourner tous les fours, plus ou moins jour et nuit, parce qu'on se retrouve avec un four en moins et qu'il manque un plat de lasagne. Jamie, éteins la télé et mets la table si ça te dérange pas. D'accord, chérie. Oh non, je rêve. Vous allez pas me refaire le coup. Vous êtes dans ma cuisine et dans mon appartement. Je viens de nettoyer les tâches de la dernière fois sur le tapis. Ne sois pas ridicule. Tu ne crois pas qu'on va s'amuser à descendre et remonter les plats? Allez, rends-moi service. Va chercher ton oncle. Tu crois que j'ai pas senti cette bonne odeur d'ail dans les escaliers? Allez, bouge-toi de là, mon gros. Ça va pas. Non, c'est une très mauvaise idée, ça. Oh, s'il te plaît, Rose. Viens un peu ici pour faire la salade. J'ai bossé toute la journée. Demande à Jamie. Non, il va mettre la table, hein, Jamie? Oui, chérie. Angela, va chercher ton père. Je parie qu'il va nous trouver tout seul. Donnie! Quoi? La salade. Madonna. Mais pousse-toi, il y a de la place pour deux là-dessus. Attends un peu. Mais arrête. Est-ce que c'est pour moi? Oh non, tu l'auras pour ta fête de future maman, il faudra attendre. Mais j'attends depuis 8 mois déjà. Qu'est-ce que c'est? Surprise! Ça va, ça suffit! James Marcus DiBiase, si tu t'imagines que tu vas rester assis là à regarder la télévision pendant que ta femme, ma fille, la mère de ton futur bébé, se tue à la tâche à la cuisine, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donnie, coupe le pain. Désolée, j'ai pas de pain. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est du pain, ça? Non, c'est des bagels. Ben ouais, c'est comme du pain. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je vais mettre la table. Non, écoute, tu trouveras les serviettes dans ce tiroir, les bougies sont dans le buffet et la vaisselle dans ces placards. La salade, Donnie, n'oublie pas la salade. Oui, chef. Et Jimmy, fais très attention, c'est mes assiettes pour Noël. Donnie, tu goûteras la salade et va voir si Gina a mis assez d'ail. Maman, je sais faire la cuisine. J'ai apporté les saucisses. Et j'espère que vous n'avez pas commencé sans moi. Oh, toi, on peut dire que t'as de la chance. Tu vas avoir un bon dîner ce soir après ce que tu m'as fait. Oh, allez, Rose, c'était pour rendre service. Non, papa, tu fais ça chaque année. Non, c'est faux. Bon, vous devrez savoir depuis le temps que je ne sais pas me servir d'un four. Dommage. Tu peux t'en servir qu'une fois par an, de toute façon. Aïe. T'en veux? Mmh. Oh, merci. Alors, t'as eu une bonne journée, papa? Oui, je crois. Comme d'habitude. Ok. Jamie, ça avance ta recherche de boulot? Lâche plus les baskets. Je m'en occupe sérieusement, d'accord? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Insinuer, on dit insinuer, bébé. Mais il ne s'agit pas d'insinuation, c'est de la conversation. C'est ce que les gens civilisés font au cours d'un dîner. S'il avait eu une éducation civilisée, on n'aurait sûrement pas cette conversation. Maman, tu vas pas t'y mettre aussi? Le match. Oncle Donnie! Les Giants jouent ce soir. Maman! Et c'est encore une jolie botte d'envoi qui relance l'action. Jusque-là, les Giants ont fait forte impression. Baisse le volume, Alain. D'accord. Moi, on voit vraiment mal à ce stade comment ils... J'avais pensé que cette année, on pourrait peut-être faire un repas de Noël traditionnel. Hein? Mais bien sûr qu'on va faire un repas de Noël, Angela. On en fait toujours, non? Non, je veux dire... Avec autre chose que des lasagnes et des boulettes de viande. Un vrai repas de Noël avec une dinde et de la farce et même un pudding. Mais qu'est-ce que t'as contre les lasagnes? C'est vulgaire. T'es folle, c'est tendance. J'adore les verrines de tiramisu, je vote pour ça tout de suite. C'est vrai, je pourrais en manger des dizaines. Rien à voir avec le pudding. Oh, ça va être un maître kung-fu, ce gosse, c'est pas vrai. Il a les jambes des Moreno. Je suis certain qu'Antonio Junior sera un véritable athlète. Écoute, je ne vais pas appeler ma fille Antonio. Rien ne dit que tu vas avoir une fille. Et j'ai fait une échographie. Bon.
Je vais te montrer comment on faisait chez nous, là-bas, à Cuba. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Tu as quitté Cuba quand tu avais 10 ans. Il y a des choses dont je me souviens. Donc, tu t'allonges sur le dos par terre, puis on te donne un œuf que tu mets sur ton ventre. Si l'œuf roule vers la droite... Papa, on ne va sûrement pas risquer de casser des œufs sur mon tapis. Elle va avoir une fille. Lucrezia. Pas Lucrezia. C'est un beau prénom pourtant, c'est celui de ta grand-mère. Eh ben, peux le garder. Toi, tu la fermes. Est-ce qu'on pourrait revenir au programme de Noël? Ça y est, yeah yeah wow. Génial. Ouais. Voilà, ça, c'est du bon boulot, les mecs. Ouais, ouais. C'était bien joué, ça. Allez, venez. Et il va leur passer au ralenti, venez voir. Pousse-toi un peu, Donnie. Je vais gagner mon pari. On a fini? Oui, vas-y. Ah ouais, super. Des animaux. C'est pas ça, maman, le broyeur marche plus. Le broyeur d'Angela, quand est-ce que tu vas le réparer? C'est sur la liste. D'accord, bon, j'espère au moins que tu as fait la chasse d'eau du 304. C'est une liste très très longue. Tu parles d'un propriétaire. On a un nouveau locataire et je trouve que ce serait la moindre des choses qu'il puisse tirer la chasse d'eau plus de 2 fois dans la journée. J'ai rencontré le nouveau locataire. Ah, ouais, raconte-moi. Il faut que t'arrêtes ça maintenant. J'arrête quoi? Tu le sais pas? De vouloir me caser absolument. Oh. Tu connais le bardo malais? C'est ce gars-là qui est en train de le retaper. Il l'a acheté, je parie. Il doit avoir le sens des affaires. Personne n'essaie de te caser. 8 locataires de suite, tous célibataires. Trouvez ce qui cloche. Mais c'est un studio qu'on leur loue. Tu crois pas qu'on va y mettre une famille entière? Et pourquoi pas mettre une femme âgée ou bien un prêtre? Un prêtre? Non, s'il te plaît, sois un peu raisonnable. Les prêtres ne se marient pas. Je me sens tout à fait raisonnable. Et ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de vous mêler de ma vie privée. Quelle vie privée? Oh, oh, faut reconnaître qu'elle a pas tort, parce que tu vas pas rajeunir. Maman, j'ai que 25 ans. Regarde ta sœur qui est mariée et enceinte. C'est tout ce que je te souhaite. Je vous le dis pour la 100e fois. Je ne vais pas décider d'épouser un garçon parce qu'il va habiter au fond du couloir. Il y a quelque part quelqu'un pour moi et je le saurai quand je le verrai. Tu rêves. Ça va, ça va. Arrête d'embêter ta sœur. Si elle veut vivre en célibataire et mourir dans cet appartement toute seule avec un chat, ça, c'est pas mes oignons. Il faut tous qu'on respecte sa décision. Ça suffit. Bonne nuit. Dehors, dehors, tous dehors. De toute façon, j'ai pas de chat. Bon, il y a au moins des gens qui font leurs cadeaux à l'avance. D'adresse. Qui t'a envoyé, boule de neige? Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ah,
pas vu. Ça va? Oui. Où est-ce que je suis? T'es sûr que ça va bien? Je t'ai pas touché avec l'appel, hein? Ça va, oui. Ah. Ça va très bien. Où est-ce que je suis? T'es ici? Oui, d'accord, mais où se trouve? Ça y est, j'y suis. C'est un rêve, évidemment. Je suis certain que non. Bien sûr, c'est normal. Toi, t'en fais partie. Je sais bien que de toute façon, on n'est pas à Brooklyn. C'est quoi, Brooklyn? C'est... Bon... Il y a 5 arrondissements qui sont... Oh. Si on allait à l'intérieur... Je veux bien. La taverne est très accueillante. Je m'appelle Douglas. Et moi, Angela. C'est vraiment un endroit superbe ici. C'est chez moi. Tout est parfait. Il y a une seule chose qui manque, c'est un... Et voilà, il est là. C'est trop beau pour être vrai. J'avoue que j'adore ce rêve. Et ouh! Pourquoi tu m'as pincé? Ça a dû mettre fin à ta théorie du rêve, non? Je crois que t'as raison. Aïe! J'ai jamais dit que je rêvais, moi. Oui, je sais que tu l'as pas dit. Voilà, enfin un véritable Noël. Passez un joyeux, joyeux Noël. Bonjour tout le monde. Je vous présente Angela. Bonjour. Ce n'est rien, il faut que vous les excusiez, ma chère. Nous avons très rarement des visiteurs étrangers ici. Je m'appelle Joy. Je suis absolument désolée, je veux pas vous déranger. Qu'est-ce que vous racontez? Tout le monde est bienvenu ici. C'est merveilleux, nous avons une nouvelle invitée pour passer Noël. Moi, je vous souhaite un bon Noël. Joyeux Noël et bienvenue parmi nous. Comme c'est joli. Salut, vous avez encore fait des merveilles. Je suis là. Bonjour à tous. Bonjour et bon Noël, Marie. Bon Noël, mes amis. Bon Noël, Marie. Excusez-moi, je suis en retard. Il y avait beaucoup de travail à la boulangerie aujourd'hui. Mais il y a toujours du travail. Oui, j'ai l'impression. Non. Qui est-ce? Elle vient juste d'arriver. Oh. Marie. Je te présente Angela. Je suis vraiment enchantée de te connaître. Merci. Tout le monde ici est tellement gentil. Oh, c'est tout à fait naturel. Et pour vous, on voit que Noël est important. Oui, rien d'autre n'est important. Angela, vous voulez m'aider un instant dans la cuisine? Bien sûr. Elle est incroyable, cette cuisine. Ah oui? Merci, Angela. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est vraiment efficace pour faire le travail qu'on lui demande. Est-ce que c'est une vraie dinde de Noël? Évidemment, ma chère. Ah, j'ai oublié le gratin. Vous pouvez le prendre? Oui, mais où est-ce qu'il est? Il est dans le four, ma chère. Dans le four? Mais il est vide. Comment c'est possible? C'est incroyable, ça. Joy? Ah! Oh, je ne savais pas que vous étiez affamée à ce point. Je vais le prendre pour vous. Vous croyez qu'il faut prendre un autre plat de gratin aussi? Non, ce sera largement suffisant. Donc, Marie
Marie était montée sur l'âne et Joseph marchait à côté d'eux. Alors, arrivés à Bethléem, ils étaient vraiment très, très fatigués. Mais nulle part, ils n'ont trouvé à se loger. Il y avait vraiment de quoi se décourager. Ils auraient dû venir ici, Angela. Oui, c'est vrai, on aurait pu les héberger ici un jour ou deux. Et il s'est passé quoi? Tout a fini par s'arranger. C'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. Oh, raconte-la encore. Tu veux bien? Oui, raconte-la encore une fois. Je crois pas que ce soit très intéressant. Si un de vous veut raconter une histoire. Bon, moi, je vais aller retrouver la pelle. Bonne nuit. Angela, c'était bien de t'avoir avec nous. Au revoir. Au revoir, Douglas. Au revoir, Douglas. Je vais vous laisser. Douglas a été si gentil avec moi, je vais aller lui dire au revoir. Mais on vient de lui dire. Oh, je vais le faire une deuxième fois. En personne, face à face. Au revoir et merci à tous. Passez un très bon Noël. Passez un bon Noël, Angela. Au revoir. Voilà, c'était plaisant, hein. C'est délicieux. Douglas? Il est passé où? Il est pas si grand, ce village. Oh! Oh, pardon, bonhomme. Oh! Douglas! Douglas? Magnifique, ce rêve. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi encore 5 minutes. Angela, t'es sûre que ça va? Quoi? Ça va peut-être suffire, les tranches. Oh non! Désolée. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. C'est tout juste si j'ai dormi. Drôle, rigolo ou bien effrayant? J'ai rêvé que je me retrouvais pour fêter Noël dans un petit village idéal. Tout était tranquille et magique. Un de ces rêves où t'as pas du tout envie de te réveiller. Donc, il y avait un jeune homme? Non. Enfin, si. Ah, mais pas le genre qu'on voit ici. Il avait... quelque chose de la classe. Un gentleman. Parfait. Et voilà, c'est génial. Enfin, t'as trouvé ce que tu cherchais. Oh, pardon, il n'était pas réel. Mais il avait l'air tellement réel. Je prends l'escalier, merci. Je vous ai vu par la fenêtre et j'ai pensé à vous descendre l'ascenseur. Venez, vous avez l'air crevé. Merci. Comment était la pizza? Délicieuse. Troisième étage, tout le monde descend. Merci. Je peux vous porter ça? Non, ça va. C'est beaucoup pour une personne. Si vous n'avez pas envie de faire la cuisine, j'ai encore une demi-pizza dans mon frigo. Écoutez... Froid, c'est bon aussi. Oui, bien sûr, je sais. Et je vous laisserai les pignons qu'il y a dessus. Eddie,
Angela? Vous avez l'air d'être un gentil garçon. Oui, je confirme. Oui, bon, ça n'a rien de personnel et vous n'y êtes pour rien. C'est à cause de votre adresse. Ah oui? Oh, Andy, et qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici. Qu'est-ce que tu me caches? C'est rien. Qu'est-ce que t'étais en train de mesurer? C'est une surprise. Où est-ce que je mets les paquets? Fille ou garçon, franchement, je trouve qu'en bleu, c'est plus joli. Tiens, tiens, Angela vous fait déjà porter les sacs des courses, à ce que je vois. Maman, tu fais quoi avec ce truc? Quoi, c'est l'ancien? Oh, rien, je réfléchissais seulement à quelque chose. Et la cuisine, ça se trouve? Quelle chose? Attention! Un berceau. Il m'a juste aidé à porter mes sacs de courses. Angie, le berceau, c'est pour le bébé que j'ai dans le ventre. Oui, ne sois pas idiote. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, alors? Et vous aussi, qu'est-ce que vous faites tous dans mon appartement? Ah, vous lui avez rien dit? Jimmy! Me dire quoi? Dis-moi quoi, maman? On a eu une discussion avec Gina, elle va avoir un bébé d'un jour à l'autre. Chez nous, c'est trop petit. On se marche sur les pieds. Je vais poser les sacs à côté. On va déménager ici. Le boom de l'immobilier semble avoir... Quoi? Non, on ne tiendra pas ici avec vous trois et moi en plus. Oui, et c'est pour ça que tu vas déménager dans leur appartement. Ok, de toute façon, si je décidais que j'allais déménager, ce qui n'est pas le cas, vous pouvez pas payer mon appartement. Ah ouais, je sais, on s'est dit que tu pourrais payer la différence. Oh, mamma mia. Ouais, en tout cas, jusqu'à ce que j'ai trouvé un job. Mais qu'est-ce qui cloche chez vous? C'est pas vrai, ça? Dehors! 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 D'accord, on y va, on y va. D'accord, je te laisse, on se verra plus tard. Ça ira peut-être mieux. Si jamais tu trouves un petit moment et que tu veuilles monter le... Dehors! Non, non, j'ai rien dit. Je crois que je devrais probablement... Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. C'est dingue. J'aimerais effacer cette journée de mon esprit. J'ai besoin de dormir un peu. Oh oui! Bravo! Ne tombe pas de glace. Hé! Hey, Angela! Joyeux Noël! Bonjour! Bonjour! Marie et moi, on patinait. Tu veux te joindre à nous? Oh, non, je sais pas faire ça. J'ai jamais appris. Tu n'as jamais appris à patiner? Dans ce cas, il est grand temps que tu le fasses. Il a raison. Viens! Oh non, c'est pas la peine, je vous jure. Ne t'en fais pas, Angela. De toute façon, je dois aller à la boulangerie. T'en es sûre? Oui, bien sûr, viens. Tu viens? N'aie pas peur. C'est facile. Tu vas y arriver. Amusez-vous. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Comment ça? On est amis? Oui, mais vous êtes amis tout court ou plus que ça? T'es marrante. Allez, viens, on va sur la glace. D'accord. Redresse-toi, redresse-toi. Hop, doucement maintenant. Oui, c'est facile en fait. Oh, attention. Ça va, j'ai parlé trop vite. Il faut te détendre. Détends-toi et laisse-toi glisser, d'accord? Tiens, regarde. Pousse et glisse. C'est bien. Pousse et glisse. Ah, ça vient. Super. Et voilà. Bravo. Et maintenant, un pied devant l'autre. Oui.
bonjour. Bonjour, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bon Noël, mon grand. Joyeux Noël. Oh, attends. Bonjour. Attends-moi ici. C'est un bon Noël. Bonjour. Pour toi et bon Noël. Oh. Oh. Douglas, c'est gentil, mais j'ai aucun cadeau à t'offrir. Oh, mais le magasin est ouvert. Toi. Merci. Oh, c'est super, un cache-oreille. Des moufles. Elles sont trop jolies. Ça me va. Elle aussi. Oh, Gérald a fait du bon travail sur le sapin de Noël. Bon. La neige commence à s'accumuler. Faut que je me remette au travail. Au revoir. Hein? Au revoir. Sont d'une grande politesse et très chaleureux. Ils t'interrompent pas tout le temps et ils sont d'humeur égale. Et il y a de la neige. La neige est toujours blanche et légère et elle devient jamais dure ou sale comme on le voit souvent ici. Et ensuite, il y a Douglas qui m'a fait cadeau d'une belle paire de moufles. Et là, je me suis dit oui, bien sûr. T'es plongé en plein rêve. Pourtant, à mon réveil, j'avais toujours la paire de moufles. Tu te rends compte? Tu trouves pas que c'est dingue? Angela, écoute. Quoi? T'es une super bonne copine et je tiens énormément à toi. On a trop de travail, je sais que c'est stressant et c'est très dur à cette période, mais je te jure que dès que les fêtes seront terminées, je t'emmènerai dans ce super spa qu'on a trouvé sur le net. Je m'en fiche du spa, j'ai toujours les moufles. Kiss, a little,
matière que j'adore. Oh, ces petites chaussettes sont craquantes. J'aurais tellement voulu qu'Angela soit là. Ça lui plairait. Oh, et regarde ça, Gina. Alors, ce paquet-là est de la part de... Alors, Douglas, on a passé beaucoup de temps ensemble et je me disais que... Quoi? Petit copain, petite copine. Bah ouais. Bonjour. Tiens, tiens, c'est trop gentil de bien vouloir te joindre à nous. Je suis désolée, je suis en retard, j'ai pas vu l'heure. Ça t'arrive très souvent ces derniers temps, non? Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Mais tu veux quoi? Tu as manqué la fête de future maman de ta sœur. Elle a même pas dû s'en rendre compte. Il y avait quoi? Une dizaine de tantes et de cousines, plus ses copines. C'est vrai. Mais elle n'a pas d'autre sœur que toi. Tu l'as réalisé, ça. Et qu'est-ce qui t'arrive, Angela? Tu es en retard au travail. Tu ne viens plus avec nous pour dîner. Je suis occupée, c'est tout. C'est bientôt Noël. J'ai des quantités de choses à faire. Attends, je vais t'aider. Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Maman. Tu peux t'en aller. Oh, salut. Je vous l'appelle. Oh, j'aurais pu le faire, merci. Merci. C'est quoi tout ça? Ce sont des plans. Des dessins pour ce bar sur lequel je bosse. Ah oui. Mon oncle a dit que vous aviez racheté au Malais. Je suis au courant. Il a hâte que vous ouvriez le bar. Remerciez votre oncle pour la publicité. Je suis seulement là pour donner un coup de neuf au bar. Vous êtes entrepreneur alors? Je suis un architecte frustré. Bravo. Vous avez fait une école? Je suis plutôt un autodidacte. Et vous? Moi? Je suis simplement frustrée. Vous êtes modeste. Je vous imagine avec des super projets. Vous irez loin? Vous avez raison. Vous déménagerez pas, j'espère? Non. Bon, tant mieux. Votre famille est sympa, c'est sûr, mais... Oui, ça peut aller. Ouais. Au fait, si vous voulez un endroit où vous planquez, ils penseront jamais à vous chercher au bar. C'est gentil. Peut-être une autre fois. Oui, bien sûr. Un de ces jours. Tenez, tout y est. Joyeux Noël! Merci. Je vais le prendre. Non, ça va, je peux le faire, je peux le faire. Vous travaillez déjà pour deux personnes, autant que je le fasse. Dis donc, Claire. Ouais, quoi? Je peux te poser une question? Tes copines avec Angela? Tu sais pas où elle passe son temps en ce moment? Nulle part. Enfin, pas dans des endroits un peu décalés ou étranges ou imaginaires. À quel tour? Oh! Angela, ça va pas? Tu vois pas l'arbre de Noël? Bien sûr que si, je le vois. En fait, j'ai des problèmes avec ma famille. Oui, tu voudrais bien qu'ils voient aussi ce sapin? Non, je voudrais bien qu'ils me laissent respirer. Pour que tu puisses profiter du sapin? Non, Douglas, je t'assure que le sapin n'a rien à voir là-dedans. Tu veux patiner? Non. Il faut bientôt que je rentre. Ma famille va m'attendre pour dîner. Mais
T'as dit que tu voulais... C'est vrai. Mais... j'ai l'impression parfois que je vais presque toucher du doigt ce que je veux devenir réellement. Ce que je pourrais faire de ma vie et d'un seul coup, pouf, c'est fini. Ça t'arrive de ressentir comme une frustration quand tu réalises que tu sais plus quoi faire? Ça m'arrive lorsque je veux compter les lampes du sapin. Mais c'est impossible d'arriver à toutes les voir, évidemment. Et tu fais quoi? Je fais doucement le tour du sapin et je compte celles qui restent. 382. Quoi? C'est le nombre de lumières. Il y en a 382. Je crois que t'as trouvé une bonne solution. J'ai tout à fait le droit aussi de regarder ma vie sous un autre angle, non? Bien sûr. Toi, t'es un sacré malin. Oh. Attends-moi ici. Mais où est-ce que tu vas? Je vais aller leur dire que je ne serai pas là pour dîner. Je reviens tout de suite, alors ne t'en va pas. D'accord. Oui, ça y est, elle est là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dîner en famille, comme tous les soirs. Ça, tu l'as peut-être pas complètement oublié. Dans mon appartement. Non, pas pour longtemps. Ouais, on est en train de le tester. Hé, hey, alors t'as même pas vu qu'elle était dans sa chambre? Je t'avais dit d'aller voir. Je l'ai fait, je suis pas Columbo. Mais maintenant, elle est là, Angie. Viens t'asseoir, ma belle. Désolée, je vais pas pouvoir rester. Comment ça, tu peux pas rester? Angie, ma belle, tu as des invités. S'il te plaît, viens t'asseoir. J'ai du mal à voir en vous des invités. Oh, je ne crois pas qu'ils voulaient parler de nous. J'y vais. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Salut tout le monde. Salut. 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 Je vous en prie, entrez. Salut. Maman, je peux te parler une seconde? Oui, après le dîner, pour l'instant, va t'asseoir. Mais je... Assieds-toi. Eddie, je pense que vous connaissez mon époux. Oui. Et mon frère Donnie, et Gina et Jamie. Salut. Et vous connaissez Angela? Oui. Rose, on va dîner ou quoi? Oui, ah oui, je vais chercher les plats. Je vais aller l'aider un peu. Reste là, ma belle. Excusez-moi. Très bien. Dans ce cas, je vais m'asseoir. Tenez, Eddie, prenez un peu de ce pain à l'ail. Ah oui, volontiers. Non, 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 pas le pain à l'ail, papa. La laine. Maman, qu'est-ce que tu cherches? Tu peux pas inviter comme ça des mecs chez moi. Mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de ton avenir. Je croyais que t'étais fâchée contre moi. Oui, je suis fâchée contre toi. Mais je suis ta mère. Maintenant, retourne t'asseoir. Et en plus, ça a l'air d'être un garçon vraiment sympa. Ça veut pas dire que j'ai envie de sortir avec lui. Et pourquoi faut-il que tu sois toujours négative? Tu l'as même pas encore embrassé. Maman! Joli service. Je veux seulement te voir heureuse. Et ça, c'est un grand vin, hein? Oh, merci. Il t'est jamais venu à l'esprit que j'avais peut-être déjà quelqu'un. Je trouve aussi que vos cache-bières sont très jolies. Ah oui? Oui, oui, c'est Gina qui les a fait. Ah, c'est pour Noël. Basta, chut! Ce n'est qu'un dîner en famille, c'est tout. Apporte la salade. Et voilà. Ouh, j'ai bien failli lâcher le plat. Et alors, Eddie, est-ce que vous êtes bien dans l'appartement que vous avez? Il doit être un peu grand pour une personne seule. Oui, vous pourriez loger une famille là-dedans. Maman, s'il te plaît. Quoi? Il est très bien, je vous remercie. Vous devriez changer les serrures. J'en ai mis deux nouvelles. Vous devriez en mettre deux de plus. Je viens à peine de vous rencontrer. Allez-y, dites-le. Et je vais te flanquer une bonne raclée. Oui. Non, tu n'as aucune chance d'y arriver. Allez, vas-y, fais-le, c'est ton tour. Ne me bouscule pas. Vas-y, montre-nous, je me jette à la parole. T'es prête? J'y vais. Allez, c'est bon, tu vas y arriver. Et le perdant fait la vaisselle. T'es le premier à avoir perdu, alors c'est toi. Laisse-la se concentrer. Vas-y, Angie.
On va refaire une partie et celui qui perdra devra aller faire la vaisselle. Va chercher un tablier, c'est toi qui l'as fait. Oh non, 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 il va encore casser des assiettes. Ok, dans ce cas-là, tu vas laver les plats. Non, ça je peux pas, j'ai les mains délicates. Si, tu laves les plats. Servi. Moi aussi. Tu sais que dans 3 minutes, tu auras battu le record. Les mecs ne tiennent pas plus d'une heure. Ah oui. Bien joué. Ouais. Moi, en tout cas, je passe une bonne soirée. Je dois dire que moi aussi. Est-ce que tu réalises qu'on va avoir un problème? Bravo. De quel genre? Bon, c'est ta famille qui a décidé d'organiser ce, disons, petit guet-apens de ce soir. Donc, si on fait pas attention, ils me réinviteront sûrement. C'est un problème, c'est vrai. Vous s'en êtes peut-être pas, hein? Angela? Joyeux Noël! Douglas? Je croyais que t'avais regardé dans la chambre. Qui est Douglas? Bonsoir. Eh ben, je suis son petit ami. Oh, ça alors, je vois que tu as des secrets pour ta mère. Est-ce qu'il habite dans le quartier? Depuis quand t'as un amoureux? Vous étiez dans sa chambre pendant tout ce temps? Ça va, Denis, est-ce qu'on peut se voir une minute? Tout ça doit vous sembler tout à fait bizarre, je suppose. Quand est-ce que vous allez déménager? Comment t'es sorti? Ben, j'ai vu que tu revenais pas, alors j'ai décidé de marcher et je me suis retrouvé là. C'est dingue, j'arrive pas à y croire. Pourquoi? Toi, tu le fais sans arrêt? Oui, mais je suis réelle. Je veux dire, réellement... heureuse de te voir. Oui, moi aussi. J'ai envie de tout voir ici. Ta boulangerie, ta taverne, ton étang, enfin, tout. Et je veux rencontrer ta famille. C'est elle que j'ai vue? Ils sont pas partis, j'espère. Je crois qu'il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Ah, bon. Oh, oh. Salut. Je m'appelle Douglas. Bon Noël à tous. Où est Eddie? Il a dit qu'il avait des choses à faire et il a filé. Mais où est-ce qu'Angela est allée vous dénicher? On s'est connus quand Angela nous a rendu visite. Quand es-tu allée quelque part? Douglas vient du Vermont. Quand es-tu allée dans le Vermont? C'est sans importance, maman. Maintenant, il est ici. Sois sympa avec lui. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Tu as amené chez toi un homme qu'on ne connaît pas? Mais arrête, si je ne l'avais pas amené, vous l'auriez connu comment? Et on ne sait absolument rien de ce monsieur avec ses caches-oreilles. Oui, c'est parce que contrairement aux autres, celui-là n'a pas eu à remplir 4 pages de questionnaire pour entrer ici. Ce ne sont que des formulaires pour la location. Combien de propriétaires veulent un résumé de la vie amoureuse de leur locataire? Vous voulez parler d'une pelle à vapeur, comme pour la construction? Tu délires, les pelles à vapeur, c'était dans les années 20. Ah non, je voulais dire une pelle tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et vous faites quoi avec ça? Vous creusez les tranchées? Est-ce que c'est bien payé? Est-ce que vous pouvez en vivre? Pas des tranchées, non. Et évidemment, je suis pas payé. Hé, d'arrêter, laissez-le un peu tranquille. Douglas, tu n'as pas à répondre à ces questions, tu es mon invité. Oh, mais ça me gêne pas. Non, pas de réponse. Si vous voulez bien nous excuser avec Douglas, je crois qu'il est temps qu'on aille faire un petit tour. Je vais lui montrer notre belle ville. Oh, cool. Allez, viens. On va sortir. Non, seulement nous deux. Nom d'un petit bonhomme. Oh, c'est incroyable. C'est comme si on était à l'extérieur. Mais on est à l'extérieur. Mais alors, où est la neige? Je rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une borne d'incendie. Waouh! Et ce truc-là? Ça, c'est une boîte à lettres. Ah! Et ça, c'est une voiture. Taxi! Just hear those sleigh bells jingling, ring, tingling, a ling. Regarde, c'est lumière. C'est dingue. Oui, c'est génial. Oh ouais, c'est vraiment génial.
Désolée, je le connais pas. Bon Noël, monsieur. Je m'appelle Douglas et elle, c'est Angela. Excusez-le. Passez de joyeuses fêtes. Non, Douglas. Eh, moi, c'est Douglas. Eh, hey, bon Noël, mes amis. Vous connaissez Angela? Arrête, Douglas. Laisse tomber, mec. S'il te plaît, on n'est pas dans ton village sous globe. Quoi? Bon, c'est attention. Pas grave. Attention. Il vaut mieux pas parler aux étrangers, d'accord? D'accord. Génial. Pose un pied, là. Tu crois? Oui, vas-y, c'est marrant. C'est marrant. Oui, laisse tomber. Ah. Non, 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 non. Viens ici. Faut pas avoir peur. On essaie encore une fois. D'accord. T'es prêt? Attention. Te présenter Douglas. Douglas. Oui, tu sais. Douglas. Neige. Ah. Passez un très bon Noël, Claire. Passez aussi un bon Noël. Faut qu'on y aille. Bye. Salut. Excusez-moi, vous avez des boules de neige? Oh non. C'est cadeau de Noël. Oui, c'est super. T'es prêt? Oui. Oh, des chaussures. Pardon. Je vais essayer de faire le tour. Une petite pièce. Oh, merci. Merci, bon Noël. Excusez-nous. Waouh, c'était génial. Mm-hmm. Tu dois être un peu dépassé, non? Comment ça? Eh bien, quand je suis venue pour la première fois chez toi, ça m'a perturbée. Et ton village est plutôt minuscule. Tu viens juste de découvrir un nouveau monde. Oui, oui, je crois. Tu crois? T'as pas une crise existentielle ou je ne sais quoi? Si, je pense que c'est ça que j'ai. Et j'adore les hot dogs. Bon, bah, si tu veux te mettre à l'aise pendant que... je vais aller me mettre un truc confortable. On va aller bientôt dormir? Oui, c'est l'heure. Oh, chic, c'est cool. Ok. Les choses ne vont pas aussi bien que tu espérais. Mais il est parfait, sur bien des points. Enfin, sur quelques points. Tu peux faire en sorte que ça marche. Douglas ? Douglas.
Bonjour. T'as bien dormi? Oh oui. J'ai dormi comme une bûche. Ça, c'est clair. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, il faut que j'aille travailler. Il faudra que tu te trouves une occupation tout seul. D'accord. Où est-ce que Tammy t'appelle? Écoute-moi bien. Celle-ci, c'est pour la télévision, mise en route, chaîne, volume. Ça, c'est le téléphone. Pour mon travail, c'est facile, il suffit de faire le 3. Celle-ci, c'est pour les DVD. Et si tu veux t'en servir, il faut mettre la télé sur la 3, d'accord? Bon, on va laisser tomber la télé. Il y a un micro-ondes dans la cuisine si t'as faim. Tu peux t'en servir, mais il ne faut surtout pas que tu mettes de métal dedans. Et tu mets pas d'œufs non plus, ni aucun bocal. Oh, c'est compliqué. Bon, d'accord, pas de micro-ondes. Fais-toi livrer. Les menus sont dans le tiroir du haut, à côté du four. Tu prends le téléphone, tu appelles le resto, tu dis ce que tu veux, et tu comprends strictement rien à ce que je te dis. Non. Salut. Oh, qu'est-ce qui se passe? Eddie, je sais que tu vas trouver ça, disons, un peu bizarre, mais tu as rencontré Douglas, hein? Oui. Salut. Bonjour et bon Noël. Je devrais pas te demander ça, je sais que c'est dur. Mais ils sont tous sortis et je devrais bosser depuis 10 minutes déjà. J'ai besoin de toi pour surveiller Douglas. Surveiller? Il ne connaît rien à beaucoup de choses. Je suis ennuyée de te demander ça, mais j'ai peur de le laisser seul. Tu veux que je fasse la babysitter de ton petit ami? Non, non. Oui. Disons que tu lui tiennes compagnie. Tu veux bien? Jusqu'à ce que j'arrive à trouver Jamie. Hein? S'il te plaît. S'il essaie de se servir du grille-pain, il est capable de faire sauter tout l'immeuble. Mais qu'est-ce qu'il a au juste? Il est attardé ou un truc Eddie, comme ça? Je veux pas te supplier. Oui, bon, d'accord. Ah, merci. Tu me sauves la vie. Ouais. Au revoir, Angela. Comment vous vous êtes rencontrés, toi et Angela? Eh ben, elle est venue dans mon village. Ton village? T'es pas un citadin, alors? Comment ils s'appellent, ces grosses bêtes? Hippopotamus. Ce sont des... hippopotames. Hippo. Hippo. Vous devez avoir plein de choses en commun, toi et elle. Oh là oui! On adore les chants de Noël, décorer les sapins et faire des bonhommes de neige. Enfin, ce genre de trucs. Tu sais, quand on fait du patin, j'en profite et je mets mon bras autour de sa taille. Donc tu dois être quelqu'un de très riche, certainement. Christopher, monsieur ou madame H? Une végétarienne. H. Bon Noël, madame. Merci. Merci, monsieur Christopher. Lasagne au sel. Joyeux Noël. C'est à qui? Deux lasagnes, agneau tomate, Tarantino. Voilà, et régalez-vous. Passez un bon Noël. Isabella, c'est à vous. Passez un très bon Noël. Lambert. Strasbourg, deux au bœuf. Ça me jatouille le nez. Remets-la à sa place. Allez. Scotch. Oui, parfaitement. Et de l'excellent. 15 ans d'âge, whisky single malt de qualité. Il y a aussi le butterscotch. Non, c'est pas pareil. C'est du caramel au beurre salé. Tu viens d'où? Bah, je croyais que je te l'avais dit. Du village. Ah, d'accord. De Greenwich Village. Je suis persuadé qu'à Greenwich Village, ils ont du scotch. Tu es de quelle partie du village? Est? Ouest? Bah, ces questions ne sont pas si difficiles. Bon Noël, madame. Merci beaucoup. Au revoir. C'est le réveillon de Noël. Si on fermait plus tôt.
Va-t'en si tu veux, je crois que j'y arriverai toute seule. En plus, je sais que t'as un mec qui t'attend chez toi. T'es la meilleure. Je sais. Bonne soirée. Passe un super Noël. Merci, Claire. Joyeux Noël. Bonsoir. Bonsoir. Où est Douglas? Je croyais Jamie que... Jamie a fini par venir. Il l'a emmené il y a un bout de temps. Ah. Bon. Merci de l'avoir gardé. On est allé au zoo. Je parie que c'était curieux. Oui. Le bar est génial. Merci. On doit l'ouvrir pour le réveillon du jour de l'an. Waouh. C'est plutôt excitant, non? Ouais. Bon, il vaut mieux que je rentre. C'est le réveillon ce soir. On passe Noël en famille. Et avec Douglas? Avec Douglas, oui. Je ne peux pas te laisser partir avant de te faire goûter ça. Qu'est-ce que c'est? Goûte-le, tu verras. T'es un barman frustré aussi? Oui, si on veut. Ça a quelque chose d'un sapin de Noël en feu. C'est du lait de poule et de l'eau de vie à la cannelle. Je pensais bien que tu aimerais. Ça me fait tourner la tête. Noël, c'est une fête que tu aimes bien? Je l'adore. Noël, pour moi, ce n'est que du stress. On cherche le sapin de Noël idéal, les plus beaux cadeaux. On cherche un idéal de perfection que jamais on atteindra. Mais le Noël parfait, ça existe pourtant, je l'ai vu. Il faut espérer que non. Pourquoi? Parce qu'ensuite, quoi? C'est la fin de la route, il n'y a plus de raison de lutter. Ça te plaît de toujours lutter? Ça me convient. Les cocktails, ça te convient, ça c'est sûr. Essaie cette variation sur le thème. Mais tu changes la composition, pourquoi? C'était... Parfait. Oui, je sais. Celui-ci est parfait aussi. Impossible. Surprenant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du sherry brandy. Du sherry brandy. La perfection, Angela, a plein de saveurs différentes. Et nous revoici sur la ligne de mêlée pour la remise en jeu. La défense alignée. J'avoue que j'y comprends rien. C'est facile pourtant, c'est... Ouais. Pourquoi ils courent? Ils doivent essayer de marquer un essai. C'est dingue, tu connais rien du tout. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est l'autre équipe qui essaie. Quand est-ce qu'on essaie? Pas nous! Ces types jouent, nous on regarde, c'est ça le truc. C'est son équipe par l'intermédiaire de Nabokov qui a récupéré le ballon. Oui, c'est bien joué, cette passe en retrait vers Leasing, qui est démarqué et qui remonte maintenant vers la zone d'embut. Mais c'est Leasing qui trouve sur sa route John Pose sapin. Des forêts. Une saison remarquable. Et qui nous c'est d'un ennui mortel. Et si on allait faire du patin? Ça, non. Tu veux décorer un sapin? Non. Et tu veux? Non. Est-ce que tu as une pelle? C'est pas vrai, il va pas la fermer. Ferme-la. Et Angela, quand est-ce qu'elle va revenir? Le plus vite serait le mieux. Qu'est-ce que c'était? Marie! C'est dingue! Combien de personnes elle a encore planqué ici? Douce nuit, sainte nuit, la 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 non, la la. Non, c'est pas ça les paroles. Si. je crois que c'est pas nuit, nécessaire que je chante avec toi. Nuit, la, ça va, la, la, ça va, la, ça va, la, Mère Noël. La. Tu veux pas redescendre ton traîneau sur terre? J'ai adoré être avec toi. Ouais, moi aussi, moi aussi. Merci pour ces instants. Tu frissonnes, tu as froid? Est-ce que... Non, non. Je me sens bien et légère. Et je crois que
Je sais pas trop. Quand je suis près de toi, je ressens... Tu ressens quoi? Angela, tu... Ok, c'est génial. Tu devrais inviter ton petit ami à entrer et lui présenter ton autre petit ami et son autre petit ami. On est ensemble depuis toujours et tu disparais sans même me dire au revoir. Non, non, Marie, tu comprends pas. Qui? Voilà, la petite demoiselle qui a débarqué dans mon village et a réussi à me piquer mon petit ami l'air de rien et qui s'est enfuie en s'arrangeant pour qu'il laisse. Tu avais dit que toi et Marie, vous étiez amis. C'est vrai, oui, Marie est mon amie. Toi aussi, tu es mon amie. Et Eddie est mon ami aussi? Pas vraiment, non. Oh, Douglas, c'était moi, ta seule petite amie, avant qu'elle vienne t'enlever à moi. Hé, attends, j'ai rien fait, il s'est échappé tout seul. Marie, on devrait aller discuter tranquillement toutes les deux. Jamie, tu peux tenir compagnie à Douglas? Non, Jamie doit m'aider pour le dîner, allez, on s'en va d'ici. Oh ouais, c'est vrai ça, vous avez entendu ce qu'elle a dit? J'y vais, il y a des tas de trucs à découper, puis si on reste tous les deux, je suis sûr que... Oui. Marie. Laisse-moi deviner. Elle vient du village, elle aussi. Comment tu le sais? Marie, je vais tout t'expliquer. Ah non, je n'ai pas besoin d'explication. C'est normal que Douglas veuille rester avec toi. Avec tout ce que tu as. Oui, c'est vrai. Comment veux-tu que je rivalise avec ça? Rivaliser avec un radio réveil? C'est une radio aussi? Écoute, j'ai fait une bêtise. Toi et Douglas, vous devriez être ensemble, et tu le sais. Douglas et moi, on n'est pas fait pour être ensemble. Et tout au fond de lui, si tant est qu'il puisse aller jusque-là, Douglas le sait aussi. Je suis désolée. Maintenant, il va falloir vous faire retourner dans la boule de neige. Qu'est-ce que tu veux dire par retourner dans la boule de neige? Regarde. Est-ce que c'est ma boulangerie? Et la taverne? Tu ne serais pas une... Oh! Qu'est-ce que tu as fait? Alors? Ça t'a plu de voir le match? C'était nul. Pas question! Marie, sois raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle qui veut nous mettre là-dedans. Tu peux faire ça? Nous renvoyer à la maison? Oui. Enfin, je crois. Je veux pas retourner là-bas, Douglas. Et toi non plus, d'ailleurs. Oh, si je veux. Ils ont pas de pelle ici. Mais enfin, de quoi vous êtes en train de parler? Il faut que tu me fasses confiance, reste en dehors de ça. Bon, regardez la poule juste une seconde. Non, Douglas, Douglas, arrête, non, ne fais pas ça. Cette fois-ci, ça craint.
Où est allée Angela? Comment dire? Je lui avais dit que je ne voulais pas retourner dans cette boule. Comment ça, tu voulais pas retourner à l'intérieur de la boule de neige? Zut, je crois qu'elle est cassée. Ah oui, tu crois? Allez, on vous attend. Dépêchez-vous de venir en bas pour qu'on fête Noël. Où est Angela? Oh, elle... Dans elle sa chambre, sûrement. Elle est partie dans sa chambre. D'accord. De toute façon, je veux pas le savoir. Ok, maman m'envoie chercher tout le monde. Vous en faites partie. Alors, on y va. Angela? Regarde cette photo. Oh, ben dis donc. C'est dingue, non? Enlève tes pieds de la table. Oh, ça va. Rose, tu as encore fait des merveilles. Et du nouveau. Où est Angela? Ah, oh, voilà, comme toujours. Mais son petit ami est là, en tout cas. Et en plus, il y a sa petite amie qui vient d'arriver. Écoutez, écoutez-moi tous, on a un problème. Nous te souhaitons un bon Noël. C'est dingue. Bon Noël, chère Angela. Oh, génial, laisse-moi deviner. Moufle, cache-oreille, waouh, des moufles. Sheldon, il fallait pas, c'est trop. Et fais-moi voir ce que t'as. Un cache-oreille, waouh. Moufle, cache-oreille, moufle. Et voyons un peu ce qu'il y a là. Oh, moufle et cache-oreille. Ah, super. On peut dire que j'ai une sacrée chance, hein. Vous en avez jamais assez de tout ça. Mais c'est surtout l'intention qui compte. Quelle intention? Ici, avec vous, ça change jamais. Je trouve qu'il est tout à fait inutile de crier ainsi. Inutile de crier? Oh, mais si, c'est indispensable. C'est Noël. Comment vous pouvez fêter Noël sans crier? Joyeux Noël! Joyeux Noël! Angela! Joy, j'ai un gros problème. Non, Angela, c'est Noël, vous ne pouvez pas avoir de problème. J'en ai un, malheureusement. Douglas et Marie m'ont suivi chez moi. Enfin bon, disons qu'elle l'a suivi chez moi. Maintenant, ils sont dans mon appartement et j'ai essayé de les faire revenir, mais je pense que... quelque part, ça a mal fonctionné et finalement, c'est moi qui suis coincée ici. Coincée? Angela, je croyais que vous étiez contente d'être ici. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « c'est très charmant à visiter, mais je me sentirais prisonnière de vivre sous ce globe » Prisonnière, oh ma chère, c'est impossible que vous vous sentiez prisonnière. Ici, tout est parfait. Mais ici, il n'y a rien de réel. Regardez. Oh, c'est gentil, je crois que tout le monde est prêt pour le dîner. Vous êtes toujours aussi affamée, ma chère enfant. Bon, je crois que ça suffit. Vous vous êtes bien fait comprendre. Ah oh. Joyeux Noël, Angela! Oh, j'en ai marre! Oh, ça y est, j'en ai trouvé un. Deux mots. J'ai trouvé un sapin. Waouh, t'es doué à ce jeu, dis donc. Oh non, ton chien, c'est pas vrai. C'est le mot que tu as choisi la dernière fois. Il faut que tu prennes d'autres mots, ça doit pas toujours être autour du sapin. Oh, oui. Oui, d'accord. Ok, j'ai trouvé, j'y vais. Deux mots. Ça, c'est un. Bon, allez, c'est bon, c'est bon, c'est mon tour. Allez, on change. Rose, on va dîner quand? Quand Angela sera arrivée. Ce soir, c'est le repas de Noël. Il n'est pas question qu'on dîne tant qu'on n'est pas tous réunis. Prêt? Est-ce que c'est un sapin de Noël? Non, Douglas, c'est pas un sapin de Noël. Angela? Angela, est-ce que tu m'entends? Thank you.
pas. Oh, ça va, c'est rien. Excusez-moi pour la scène que j'ai faite. Oh, ce n'est pas grave du tout. D'ailleurs, tout le monde l'a déjà oublié. Et si je viens, c'est seulement pour m'assurer que tout va bien pour vous. Ouais, ça va. Il faut croire que les choses sont différentes depuis que Douglas nous a quittés. Il ne s'agit pas que de Douglas, c'est aussi tout le reste. C'est vrai, regardez ça. C'est le Noël idéal dont j'avais tellement rêvé. Mais c'est trop. La perfection, c'est surévalué. C'est vrai que pour les fêtes de Noël, j'ai qu'une référence. Et je sais que ma famille va gâcher mon plaisir. C'est ce qu'ils font toujours. Mais c'est mon Noël. Et au fond, je crois que j'en veux pas d'autre. Vous en êtes certaine? Bien sûr. Enfin, on verra celui de l'an prochain. Je sais ce que vous ressentez, je pense. Excusez-moi, je cherche Angela Moreno. C'est... Merci. Qu'est-ce que c'est? Allez-y, ouvrez-le. Je cherche à vivre un Noël idéal, Angela. Nous avons le nôtre. Il faut aller chercher le vôtre. Oh. Joy, passez un joyeux... Enfin, vous savez... Pour nous, c'est toujours le cas. Passez-en un bon, vous aussi. Joyeux Noël, ma chère Angela. Passez un très bon Noël. De là, tu verras. Je te le promets. Je préférerais que tu mettes pas la cuisine sans dessus-dessous. Tu sais, j'ai entendu dire que les voisins faisaient un réveillon pour Noël. On s'y invite? Je raterais ça pour rien au monde. Tiens. Salut, Eddie. Comment t'es revenu? Viens t'asseoir. Viens, ma grande, je te souhaite un bon Noël. Ça fait plaisir. Bonsoir, Eddie, comment ça va? Asseyez-vous, mon vieux. Je vais mettre une assiette en plus. Angela, la boule de neige, elle marche plus. Oui, est-ce que t'es sûre que ça va? Oui, ça va très bien. Vous voulez rentrer chez vous? Oui. Bon. Angela, viens t'asseoir qu'on puisse manger. J'en ai envie aussi. Ça faisait longtemps que j'attendais ce dîner. Vous venez? Je sais que tu avais très envie d'un dîner de Noël complètement traditionnel, donc j'ai pensé que cette année, on pouvait peut-être essayer de le faire en partie comme tu voulais. Oh, c'est une dinde. Je m'attendais à ce que tu nous cuisines ton plat de lasagne. J'ai mis les lasagnes dans la farce. C'est exactement ce que je voulais. Elle a jamais vu ce dessert. J'en ai encore. Vous en rapportez chez vous. Tu peux pas t'occuper de tes amis. Ah, j'ai du mal. Est-ce qu'elle est tranquille? Est-ce que c'est son problème? Génial. Maman, ta dinde est extra. C'est vrai. J'en veux bien. Il en reste. Pas de question, on essaie une miette. Au revoir.
Concentrez-vous. Attention. Oh. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Oh, c'est magnifique. Et attends, regarde mes saucisses. Waouh. Allons à la taverne pour les montrer à tout le monde. Non, je... En fait, je me disais que ce serait une bonne idée si on allait à la boulangerie. Mais enfin, tu sais qu'il n'y a personne à cette heure-là. Oui, je le sais. Bah ça alors, c'est mieux que de faire du patin à glace. Maman, maman, s'il te plaît, là, je crois que tu exagères carrément. Mais non, on n'essaie pas d'éviter la famille. Non. Oui, évidemment, on sera là pour Noël. Ce que tu voudras, ce sera parfait. D'accord, génial. D'accord. Oui, on se verra demain. Mais oui, maman. Oui, je t'aime aussi. Tout est arrangé? Tout devient un mélodrame avec elle. Depuis que j'ai déménagé, elle est terrifiée à l'idée que je les verrai plus et que j'irai pas au repas de Noël en famille. On ira, j'imagine. C'est incontournable. Et je redoute de voir ce que Gina a préparé. Heureusement que tu fais le dessert. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de lui en parler. Attends. Maman! Quoi? N'oublie pas de dire à Gina que c'est moi qui fais le dessert. Oui, d'accord, chérie. À demain. Viens là. Quelle heure il est? Oh non, j'y crois pas. Il va falloir que je file, je vais être en retard au boulot. Oui, vas-y. Et bonne journée. Salut! Excuse-moi, je suis en retard. Ça date pas d'aujourd'hui. On y va? Ouais, je crois qu'ils en peuvent plus.